votre frère, soeur, bienvenue sur ce banc. Ce que nous allons voir ici, ce que nous allons entendre ici, vraiment, c'est une chose qui m'inquiète beaucoup. Ah! Chacha et Kefani, attaquée par les sorciers. Cette femme, c'est une actrice au Nigeria, bueno. Et cet homme qui est juste à côté de lui, c'est son mari. À un moment donné, cette femme était sortie sur les réseaux sociaux pour dire que son mari la maltraitait et tout ça. Nous avons fait des vidéos là-dessus. Nous étions tous inquiets. On se disait, mais ah, qu'est-ce qui n'allait pas? Et que si ça n'allait pas bien, il faudrait vraiment que les gens trouvent rapidement une solution à ça. Cette affaire de violence domestique, vraiment, nous, on n'est pas d'État. Et voici qu'aujourd'hui, je viens de tomber sur une vidéo où on la voit, elle se marie et son nouveau-né à l'église pour témoigner des bienfaits de Dieu de leur fille. Et c'est là, elle a clairement dit que vraiment c'était une attaque. C'était une attaque des sorciers. Et qu'elle a failli devenir folle. Elle nous dit qu'elle a même failli devenir folle. À un moment donné, quand ça n'allait pas dans son couple, elle a dû se rendre à l'église, où son pasteur lui a dit de prier et Dieu va lui montrer qu'est-ce qui sont ceux qui sont à la place des mêmes choses qui arrivent dans sa vie actuellement. Et c'est là qu'elle a mis à prier et les écarts de ses yeux ont commencé à tomber et que la délivrance a commencé. Voici ce qu'elle va donner comme témoignage. Elle parle en anglais. Ceux qui comprennent l'anglais vont comprendre ce qu'elle va nous dire ici. Mais en général, voici de quoi il s'agit. Je vais laisser écouter son témoignage. Et voilà, soyez prêts. Me.
vient de nous expliquer comment elle était à l'hôpital pendant 4 jours. Elle ne sentait rien, ne voyait rien, ne parlait pas. Et qu'elle était attaquée par des démons, des principautés, vraiment beaucoup de choses. Et lorsque sa belle-mère est venue lui parler d'un pasteur, et c'est là la rue sur le pasteur. Are you hearing that? Are you hearing the mother of God? Come on, who knows me? There is a mother of God that knows somebody that knows somebody that knows what the truth will happen. And you're just watching like that. Hallelujah. Because she has stayed for almost a month with us. She went back to the village, but she kept calling me, pressuring me. Go and see that man. He's waiting for you. Because I was at a stage in my life where I needed answers to many things, I came here. And as everybody here knows, Papa is a prophet. Yes. 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 Quand elle arrive à l'église où sa belle-mère l'a conduit et combien de fois le pasteur a prié et qu'il a chassé les mauvais esprits, les démons, toutes les mauvaises choses ténébreuses qui se trouvaient dans sa vie et qu'elle-même, elle était en train de tomber sur l'onction, voyait les choses, comment les choses se sont passées quand elle s'est réveillée, quand elle s'est levée. C'est comme si elle voyait de nouveau le jour. They will battle, but God has given you victory. Come back with testimony. And in theater, usually I have my babies with cesarean session. But on this day, when they injected me on the spinal, it failed. They wanted to slice me, but I told them, I can still feel my legs. The doctor said, what? It took minutes after they injected again. They waited for another 10 to 45 minutes. They wanted to slice my belly, and I said, I can still feel my legs. And they said, raise your leg up. I raised it so high, I nearly hit the doctor's head. And he said, what? There were two doctors. They injected it a third time. It was still
Là, nous parlons maintenant de combien de fois le docteur maintenant a été surpris par son amélioration. Il lui disait certaines choses, il lève la main, fait comme ça et elle arrive à le faire. Donc pendant ce temps-là, elle ne voulait pas le faire avant la prière du pasteur. They will gather. The weapons will fall, but they will not prosper. Then I remembered, ha! Another battle. Then I began to speak in tongues. Then they raised my bed up. My leg was now high, placed on high. And then the doctors were looking at me. They were looking at themselves. Shy. They were scared. One doctor said to the other, I forgot the exact words, but later when I asked my father-in-law, who is a pharmacologist, should they go on and size you and make you go to sleep or something? And he told me that was risky. She really has a history of hypertension. Brethren, to the glory of God, the final injection, it didn't catch, but it happened like a dream. This preuve que Dieu est vraiment Dieu. Maintenant sa activité pour reprendre sa carrière. Et elle est venue pour que Dieu puisse bénir son quatrième enfant. Oui, elle est venue à l'église avec son quatrième enfant. Diamond baby brought us the shine we used to have. And as a matter of fact, the glory of the latter house is greater than the former. And God saved me because he wanted me alive. Hence the name, Kamdili Chiku. Hallelujah. Papa, thank you so much for all the prayers. Là, maintenant, c'est son mari qui va parler. Et le pasteur aussi dit que depuis qu'elle est venue, le mari à cette femme dit que depuis que lui aussi est venu à l'église, vraiment, il a commencé à voir beaucoup de changements de son entreprise, sa carrière et tout ça. I want to tell anybody that is listening today, please listen to this man of God. Et il demande et il dit au public de vraiment écouter cet homme de Dieu. Please. You can say that again. You can say it again and again. Obey him. I obeyed him and I am saved. My family is saved. Please obey him. That's the only. Il demande à ce que les gens obéissent à ce que le pasteur le dit. Maman mon stock. La chute est sous un dans l'autre. Maintenant, c'est la maman au mari de Chassaïté qui a permis que cette famille arrive à l'église là-bas. C'est elle maintenant qui va parler. Jesus, Gloria!
Et elle ne parle pas beaucoup. Elle loue Dieu, elle hache Satan. Écoutez. Ah, ok. Donc, plein en gros, cette femme a souffert. Elle a connu beaucoup. Tout ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux où elle venait pour parler contre son mari, genre, son mari la maltraitait, tout ça. C'est pas elle. Elle dit que c'était l'œuvre des méchants, l'œuvre des sorciers, né des démons qui voulaient détruire son mariage. Elle a fait 4 jours à l'hôpital sans parler. Dieu merci grâce à sa belle-mère, c'est-à-dire le mari à son mari, c'est-à-dire la femme à son, la maman à son mari. Grâce à la maman à son mari, elle a pu rencontrer un pasteur qui est vraiment un homme de Dieu qui a prié pour elle, chasser le mauvais esprit. Et là, elle s'est retrouvée. Et depuis ce jour-là, maintenant, elle peut vivre, reprendre sa carrière. Elle a perdu vraiment beaucoup d'argent, beaucoup d'opportunités à cause de toutes ces souffrances qu'elle a vécues. Mais elle est de retour. Elle est de retour. Elle veut reprendre la vie. Ok. Qu'est-ce que moi je peux dire dans ça? Je ne peux rien dire. C'est sûr que Dieu protège cette famille et qu'il éloigne toute la famille opprimée par le diable et ses démons. Que Dieu détruise les yeux du diable sur le foyer, le couple. Maintenant, vous, le couple, soyez fort. Soyez plus soudés que soudés. Si Dieu vous a mis ensemble, c'est pour aller loin. Que Dieu vous protège et que la paix du Seigneur soit avec vous.